Bonjour les béliers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 8 au 14 juillet 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder tout de suite quel est le message pour vous. Alors, quels sont les messages pour vous, les béliers, pour la semaine du 8 au 14 juillet? Je vais faire une coupe et on va la prendre comme ça. Allez, pour les béliers, qu'est-ce qu'on a? Aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes, demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste, sur tout ce qui touche à l'amour. Alors, on parle d'amour au sens général du terme, hein. Ici, on voit que vous pourriez avoir une proposition qui vous fait plaisir. Vous pourriez avoir une personne qui vous témoigne de l'affection. On a aussi cette histoire de pardon, hein. Derrière, on a l'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Donc là, il y a peut-être quelque chose que vous voulez faire, parce qu'avec l'aide de l'émotion, on est aussi dans tout ce qui est créatif, hein. On vous demande soit d'en parler à une personne compétente par rapport à ce que vous voulez mettre en place, à ce que vous voulez créer, soit il est question de s'organiser par rapport à un projet, hein, par rapport à ce que vous voulez faire, là. Ok, on va regarder avec le tarot psychique. Certains et certaines d'entre vous, il y a une proposition qui vous séduit ici. On essaye peut-être aussi de vous convaincre, mais avec le valet, je l'ai moins. J'ai plus une proposition qui vous séduit. Alors, on a le retrait affectif. Transformation. Sacrifice. Ok. Et derrière, on a mouvement accéléré. Union spirituelle. Il y a cette histoire d'engagement, de patience. Ouais, le chakra coronal, ouais, intuition. Là, vous avez beaucoup de messages, les béliers, hein. Écoutez votre guidance, hein. Je pense que vous êtes guidé ici. Il y a cette histoire de patience. Alors, je sais que ce n'est pas votre fort, mais il est possible que ça fait un moment que vous patientez, que vous écoutez. Et derrière, là, il y a un engagement. Et on a quelque chose qui vient avec rapidité. On a de la communication ici aussi, hein, qui est là. Un engagement sous toutes ses formes, hein. Donc ici, retrait affectif, transformation, sacrifice. Vous êtes dans une période là de grands changements, les béliers. Il y a une forme de libération. Ouais, pour moi, c'est la fin d'une stagnation ici, hein. Les choses vont se mettre en place, vont bouger enfin. Vous allez sortir de votre isolement. Il y a quelque chose qui s'arrête et quelque chose de nouveau qui commence. J'ai quelque chose quand même d'assez fort, hein, parce que là, on a quand même deux arcanes majeures. Il est question vraiment d'une belle transformation. Et ça, c'est parce que vous avez pris le temps. Alors, peut-être qu'en début de semaine, vous allez être encore dans un moment où vous réfléchissez, vous vous recentrez sur vous. Mais derrière, on a vraiment des choses qui sont en train de bouger, de changer radicalement, hein. Il y a le fait de ne plus être... Oh, comment dire? Comme si quelque chose vous pesait, vous voyez, de plus être dans des obligations constantes. Alors, on va regarder avec les 77. Qu'est-ce qu'on a comme autre message pour les béliers du 8 au 14 juillet? Oula. Alors, on a le renard, le manque et la chance. Et derrière, on a le triomphe. Bon, alors, écoutez, ici, clairement, pour certains et certaines d'entre vous, par rapport à ce que vous vouliez, là, que vous n'aviez pas encore, puisqu'on est dans le manque, ça peut être au niveau professionnel. Ici, sur cette semaine, il y a cette opportunité, cette chance qui est avec vous. Vous allez pouvoir faire... J'ai encore le fait de créer.
Soit vous créez quelque chose, soit vous allez faire quelque chose, vous avez l'opportunité. Une opportunité qui se présente. Jusqu'ici, il n'y avait peut-être rien. Je vais juste remettre une carte sur le manque. À savoir et connaissance. Soit c'est un manque d'information et sur le renard. Ok, on a la rencontre. Ouais, le triomphe sur le cœur. Alors pour certains et certaines d'entre vous, parce que ça ressort déjà avec le tarot des anges gardiens, il y a quelque chose au niveau sentimental là qui se prépare. Et pour d'autres ici, c'est au niveau... ça peut être au niveau professionnel ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur ici. Il y a la victoire dessus. Vous pourriez avoir un entretien au niveau professionnel ou avoir des communications qui font que vous allez avoir des informations qui vous manquaient. D'accord? Et c'est une réelle chance. Ça va vous permettre de transformer quelque chose. Transformer un projet. Ou alors vous allez encore une fois hein, aller voir quelqu'un pour avoir des informations par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Des questions. Alors peut-être que vous allez aussi être confronté à une personne. Comment on dit monsieur je sais tout, madame je sais tout. Laissez ça de côté. On vous dit que la chance est avec vous. Voilà, quand même. Du mouvement, des communications, des choses qui s'accélèrent, des choses qui se passent aussi au niveau de réseau. Hein. Donc, c'est plutôt bien. Ok. On va regarder maintenant dans le sentimental et l'affectif. Allez, pour les béliers. Pour la semaine du 8 au 14 juillet. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le secret. Ça tombe. Les parents. L'emprise. La santé. La blessure. Trahison. Bon, c'est pas tout rose là par contre, hein, au niveau affectif ou sentimental, vous verrez comment ça vous parle. On a la, alors la carte de la flamme jumelle, comme je dis tout le temps, c'est, on s'en fout, hein, des liens d'âme, enfin des étiquettes, ça que je veux dire. Ici, on vous parle de fusion, de déclaration, de ressenti, d'union, de temps. Alors ici, pour certains et certaines d'entre vous, il est question, alors, les célibataires, on peut vous dire patience, il y a quelque chose qui va se présenter à vous. On a cette histoire de déclaration enflammée. De toute façon, vous le sentez, on vous dit de vous fier à votre intuition. Ça met peut-être du temps, ou peut-être que ça fait un moment que vous êtes célibataire, mais là, c'est proche. Hein. Si ce n'est pas cette semaine, c'est sur les semaines à venir. Hein. Pour celles et ceux qui sont déjà en relation en couple, il peut y avoir une proposition d'engagement, encore une déclaration de sentiment, une surprise. Bon, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a? Les ciseaux. La fin d'un temps. La fin du passé. Alors, vous allez peut-être couper avec quelque chose, là. Alors, qu'est-ce qu'on a, là? Alors, on ne vous dit peut-être pas tout. Là, j'ai plutôt l'impression que c'est au niveau affectif que sentimental. Mais bon, on va faire les deux. Au niveau affectif, il peut y avoir, alors, des parents, des grands-parents. Enfin, quelque chose où on ne vous dit pas tout. Il y a une histoire d'être préoccupé par la santé d'un proche. Il y a eu du mensonge, sinon. Il y a eu des tensions. Il y a une révélation de secret, là. Ouais. Pour celles et ceux qui sont en relation là, au niveau sentimental, là, c'est par rapport à une personne que... Alors, les célibataires, ça peut être par rapport à une personne que vous avez connue. Ou alors, dans les couples, ici, il pourrait y avoir des révélations par rapport à un mensonge. Mais j'ai pas d'adultère ici, attention. Hein. J'ai les mensonges. J'ai les nouvelles, le piment, le retour. Bon, on voit ici qu'il y a un retour à la communication, il y a un retour de la libido, de la séduction. Les célibataires, vous pourriez être en colère par rapport à ce que vous allez apprendre. Après, si vous êtes en couple, que vous avez des enfants, par exemple, ça peut être aussi ça. Hein. Ça va vous mettre peut-être en colère. Mais là, il est question de toute façon de passer par cette communication, hein. Si ça vous parle.
On a l'amitié, la tour. Ouais, la réflexion sur la confiance. Hein. Ouais, vous allez cogiter. Bon, il est question de réparer les choses. Ouais. Il y a beaucoup de messages écrits. J'ai beaucoup les réseaux sociaux. Ouais. Les célibataires, vous allez prendre le temps aussi de vous occuper de votre maison, enfin, de votre appartement, de votre lieu de vie, de vous occuper peut-être de vos proches. Il est question de discussion aussi sur les réseaux, mais j'ai rien de concret là. Dans le sens de concret où vous voyez quelqu'un au niveau sentimental. Il peut y avoir des propositions qui vous font plaisir, hein, ça je dis pas. Peut-être que vous allez discuter avec quelqu'un avec qui ça va le faire. Ouais. Donc voilà, par rapport à ça, il y en a qui sont encore dans une forme de blessure par rapport à la représentation du couple. Il y a peut-être des réminiscences d'émotions du passé là qui ressortent, les béliers. Hein. Faites attention sur cette semaine. Hein. Il y a un peu d'inconscience. Ok, on va finir avec le message par des camps. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et pour tout le monde, pour tous les béliers, certaines choses vont se précipiter autour de toi. Ok, premier décan. On n'a pas de bonnes intentions envers toi. On vous parle dans 10 semaines si ça vous parle. Deuxième décan, prends du recul sur la situation. On vous parle du mois de mars. Et troisième décan, fais une pause, prends un peu de temps pour toi. On vous parle du mois prochain. Voilà les béliers, j'en ai terminé avec votre guidance de la semaine. Je vous souhaite du coup une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne sur Fréquence Guidance. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.